Salut à tous les potos, on se retrouve pour une nouvelle review de la chaîne Collector News et aujourd'hui on a le plaisir de vous faire découvrir la Matt 002, donc la figurine de chez Mars Toy, la deuxième. Il s'agit du Joker de Jack Nicholson. On va pas se leurrer, il s'agit clairement du recast de la Hot Toy, la DX08, qui est sortie il y a pas mal de temps. Et du coup, ça fait un peu plus d'un an ou deux que cette figurine, un peu plus d'un an, je crois qu'elle était annoncée, et elle vient d'arriver. Donc voilà, grâce à notre partenaire que vous avez pu le voir dans le générique KG Hobby, on a réussi à mettre la main sur un exemplaire, et cet exemplaire, il va être à gagner. Mais ça, on en parle après la review. Là, ce qui nous intéresse, c'est déjà la boîte, la figurine, et on fera aussi un petit comparatif avec la DX08. Donc, pour commencer, sur la boîte à l'avant, on a comme une carte à jouer avec écrit Joker Joker, on reconnaît bien un dessin de Jack Nicholson. Sur le côté, le numéro de la figurine, 1/6 scale collectible figure. À l'arrière, une photo de la figue, des petits warnings, les petites informations qu'on a besoin. Sur le côté, on a la même chose, au-dessus et en dessous, il n'y a absolument rien. Donc tout de suite, on regarde ce qu'il y a dans la boîte. Donc la boîte, la voici. Comme je vous disais, on reconnaît vraiment bien le Jack Nicholson, hein, l'acteur qui avait interprété le rôle du Joker, du coup, dans le Batman de 1989. Donc vraiment un grand acteur. Hop, on va regarder tout de suite, on soulève le couvercle. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? Hop, directement, on a accès à la figurine, comme vous pouvez le voir. Donc là, on a déjà une veste en queue de pie. Donc, la figurine... différents accessoires, comme vous pouvez le voir. De toute façon, c'est exactement les mêmes accessoires que dans la DX. Maintenant, ce qu'on va voir, ce qui nous intéresse surtout, c'est est-ce que la qualité est au rendez-vous. Donc ça, on va commencer par tous les accessoires. Ensuite, la figurine. Un petit comparatif des It's Cold et un comparatif des figurines à la fin. Allez, c'est parti. Les accessoires, donc les voici. Comme vous pouvez le constater, c'est exactement les mêmes que sur la DX8. D'ailleurs, au passage, si vous n'avez pas encore vu la review, la Back to the Review de la DX8, on vous met un petit lien en haut à droite, comme ça vous pourrez aller cliquer et vous pourrez aussi comparer peut-être par vous-même, mais on vous fera, rassurez-vous, une comparaison. Donc, on va commencer par la chose qui, vous le savez, me tient le plus à cœur. Hein, moi, les mains, c'est ma grande passion, vous le savez tous. Donc, on a de très très belles mains. Bon, après, je suis honnête avec vous, quand on regarde vraiment dans le détail, on voit que voilà, il y a quand même... ça manque de précision. Sur le près de chez près, on voit vraiment la différence. On voit, vous voyez, au niveau de tout ce qui est petite finition ici, on voit que c'est approximatif, c'est un peu dommage. Mais sinon, voilà, ce sont quand même malgré tout de très très belles mains. Ça ne choquera pas sur la figurine et franchement, même si vous perdez des mains, par exemple pour la DX8, vous avez ces mains-là d'avance, franchement, il n'y a rien de choquant. Moi, personnellement, on a plusieurs mains, de toute façon, en plus, on en a 8, donc 6 plus 2 sur la figurine. Vous voyez, au niveau des mains, franchement, on a une couleur qui est relativement bonne. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, les doigts aussi sont, hop, vous voyez, assez souples, hein, comme dans l'original. Donc, c'est vraiment pas mal, c'est du bon boulot. Après, Mars Toy, franchement, pour avoir déjà eu certaines de leurs figurines, enfin, en tout cas, le Walter White, on sait que c'est qualitatif en général. Donc, ensuite, vous voyez, d'autres mains, la main qui pointe, une main pour montrer la direction. Hop, franchement, très très jolie main. Les mains sont bien, après voilà, je trouve que le détail vraiment c'est un peu approximatif malgré tout, mais dans l'ensemble ce sont des très bonnes mains. Ce sont des très très bonnes mains. Donc hop, ensuite petit accessoire, on a le microphone, exactement le même qu'on retrouve dans la Hot Toy. Donc voilà, je lance un défi à celui qui arrivera à me trouver une différence sur cet objet là en tout cas, parce que je ne vois aucune différence. C'est exactement le même matériel, franchement c'est... La coupe est propre, on voit bien sur les bords, il n'y a rien qui dépasse, franchement c'est vraiment... C'est un très beau recast, même si je ne cautionne pas forcément le recast, mais ça reste un très beau produit. Ensuite, on a le petit masque qu'on mettra sur la tête du Joker quand il envoie un gaz hilarant. Donc pareil, le petit masque, il est très 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 bien fait. C'est un très bon produit. Ah, tête dedans, vous voyez, on a peut-être une légère différence ici au niveau de tout ce qui est finition. On voit que il y a un petit manque de peinture, il est léger, mais on le voit, ça n'a pas été appliqué pareil dedans que dehors. C'est pas grave, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Je regarde si c'est pas de la crasse. Non, c'est un manque de peinture. Ça, c'est dommage. On a les petites dents. Et est-ce que comme celle de la Hot Toy... Ouais, vous voyez, knack, 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 ça c'est pas mal. Le bouton ici, pareil, hein, hop, bah vous voyez, vient de me rester dans la main. Ça, c'est fait. Et pourtant, je l'ai pas attrapé fort. Hein. Ah, ça c'est un peu le problème d'Ericas. Donc là, vous voyez, en direct live, on a le petit truc dedans qui, je ne sais pas s'il est juste démonté ou cassé, j'essaierai de le remettre tout à l'heure, mais voilà, ça c'est un petit peu le problème de d'Ericas, bon on n'a pas la qualité du Hot Toy quoi, je l'ai à peine eu dans les mains, il est resté dans ma main quoi. Enfin, ça arrive, ça fait partie des accidents du métier on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une petite radio, pareil, plutôt bien fait la radio, franchement au niveau des détails,
C'est bah, franchement, c'est très très correct. C'est très 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 correct. On a l'emplacement en plus pour les piles et tout. Non, non. C'est bon. On va essayer de faire attention parce que je vois que j'ai vraiment l'impression que c'est très très fragile. Mais non, non, la qualité, franchement, elle est top. Je trouve que limite même, j'ai envie de dire qu'elle est mieux que celle de la Hot Toy. Donc elle est plus précise, j'ai l'impression. Franchement, plutôt pas mal. Hop, ensuite on a l'antenne. Pareil, une espèce de télécommande, peut-être pour lancer, je ne savais déjà pas ce que c'était à l'époque, sûrement pour lancer un microphone, peut-être ou pour lancer une bombe, je ne sais pas. Franchement, bon après ça c'est pareil, c'est bien fait, voilà, c'est bien fait. On va pas non plus s'attarder dessus pendant une heure parce que je trouve pas que c'est un objet forcément extraordinaire, mais il est bien fait, voilà, il a mérité d'être là, il est bien fait. On a la fleur. Donc la fleur, pareil, hein, la même fleur que celle de Hotoy. Alors là, par contre, pour la fleur, pour moi, je trouve que surtout au niveau du pistil. Ouais, cette partie-là, je trouve que c'est un petit peu bâclé. C'est un tout petit peu bâclé. C'est un peu inférieur à ce que Toy nous a fait. Bon, après, il faut pas oublier que la figurine vaut moins de 200$. Mais franchement, c'est... Après, sur la figue, ça fera le boulot. Hein. Mais c'est vrai que quand vous l'avez comme ça, là, vraiment le nez dessus, bon, ça se voit. C'est un peu dommage, mais ça se voit. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le petit bang. Hop, c'est le petit bang qui sort du pistolet quand il tire. Hop, il est légèrement différent. Hop, on va plutôt le tourner dans l'autre sens, comme ça vous le verrez mieux. Il est légèrement différent de celui de Hot Toy. Mais sinon, il est bien. Hein. Vous pourrez le mettre dans l'un des deux pistolets, comme vous voulez. Hop, les pistolets. On a celui-là. Donc, du coup, le petit. Entièrement en plastique. Hein. Il y a la partie barillée qui bouge ici. Donc, on peut la faire bouger. Bon, après, c'est une arme assez classique du Joker. Une arme de ces années-là, hein, 1989. On n'était pas encore sur du semi-automatique ou des choses comme ça. Ça fait un... C'est vrai que lui, il aime plus les armes classiques. Donc, franchement, très belle arme. Pas de weathering dessus, rien du tout, c'est vrai, entièrement plastique. Mais bon, ça fait le boulot. On a la grande. Donc la grande, pareil. Le grand pistolet, celui qui sort de son pantalon. On voit le canon, on a l'impression qu'il s'arrête jamais. Donc pareil, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Un rendu un peu plus brillant que sur l'autre, du coup. Comme vous pouvez le voir. Hein. Vraiment, c'est un rendu légèrement différent. Pareil, toujours avec le barillet qui bouge. Donc franchement, non. C'est un très beau pistolet, c'est un très bel accessoire. Franchement, les accessoires, c'est plutôt soigné. Bon, à part là, les dents, c'est vraiment pas de bol. Et enfin, on a la petite canne. Donc, la petite canne du Joker, pareil, je me rappelle plus. Alors, à vous de me dire, parce que moi, je m'en souviens pas, s'il y avait cette espèce de petit ergot sur celle de la Hot Toy. Je vais vérifier de toute façon après. Mais je me rappelle pas l'avoir vue. Donc, mais sinon, la canne en elle-même, elle est plutôt bien faite, elle est plutôt propre. Franchement, bah, après, on voit pas trop de différence au niveau du matériel non plus. Ah, c'est de l'ABS, c'est du plastique, ouais. C'est du plastique. Mais après, voilà, elle fera le job largement. Sans problème. On a une carte à jouer. Là où dans la Hot Toy, on en avait beaucoup, beaucoup plus. Bon, là, on en a qu'une. Elle est plutôt pas mal faite, hein, donc c'est bien. C'est franchement, elle est... Hop, vous voyez, on reprend un petit peu un design assez simple à l'arrière. C'est un peu dommage qu'on en ait qu'une. Après, est-ce qu'en avoir 40, c'est vraiment utile? Je pense pas. Mais au moins, elle a le mérite d'être là. Elle est là, ça peut toujours servir. Et enfin, donc, comme je vous disais, au niveau des vêtements... On a le manteau en queue de pie. Donc le manteau, c'est le manteau qu'il y a d'origine sur la figurine. Hein. Il est très joli. Franchement, au niveau des coutures, alors, je vais regarder vraiment dedans vite fait. Franchement, au niveau des coutures, c'est plutôt propre. Comme vous pouvez le voir, franchement, c'est plutôt bien fait. La texture utilisée, elle a l'air légèrement différente. On n'est pas sur... on n'a pas cet aspect velours. On a vraiment un aspect tissu. Que sur la Hot Toy, on a vraiment eu un aspect différent. Mais après, il est très très bien fait. Esthétiquement parlant, il est très très bien fait. Pas câblé, mais il est très très bien fait au niveau du col et tout. Franchement, pareil, au niveau de tout ce qui est à l'arrière, vous voyez, au niveau des boutons et tout. Franchement, c'est très très bien fait. Peut-être un peu fragile, ces boutons-là. Je pense que ceux-là vont pas faire long feu si vous la manipulez trop. Mais non, non, c'est très 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 bien fait. Franchement, c'est correct. Le col, peut-être un peu... Non, non, même pas. Non, franchement, c'est plutôt bien fait. On va regarder de toute façon une fois sur la figurine, mais déjà en main, c'est agréable. On sent la doublure, on la voit ici, franchement, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien, j'apprécie. Bon, dommage un peu qu'on voit ces fils, mais ces fils-là sont nécessaires vu que c'est les fils qui tiennent les boutons. Donc forcément, on aura besoin de les avoir pour tenir les boutons. Hop là. Donc là, c'était un petit peu le tour des accessoires. Bah maintenant, on va passer à la figue. On va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'elle est arrivée entière ou quoi que ce soit. Et on fera un comparatif du coup avec les Hit Sculpt et voir un petit peu si vous arrivez à reconnaître déjà celui de la Hot Toy et celui de la Mars Toy. Logiquement, vous devriez y arriver. Enfin bon, c'est toujours marrant de lancer un petit débat là-dessus. L'objet de la convoitise, il est là. Donc, on a la figurine dans les mains. Franchement, le rendu est plutôt pas mal et plutôt
plutôt très très proche de la Hot Toy. Il y a quelques petits détails bien qui ne trompent pas. Déjà, on regarde au niveau des chaussures. Les chaussures, c'est plutôt bien fait. Pareil, plutôt accurate. Bon, toujours assez sculpté, mais comme sur la Hot Toy. Le petit pantalon en dessous, ouais, plutôt simple. Franchement, mais plutôt bien fait. Je trouve que les articulations, par contre, excusez-moi, les articulations sont vachement souples. Sachant que dans la boîte, il n'y a pas de stand. Donc, franchement, celle-là, par exemple, elle est relativement bien. Mais celle-là, elle est enfoncée. Hein. Ouais, elle est enfoncée. Elle est assez souple. Le pantalon, franchement, plutôt accurate. Correspond totalement à celui du personnage. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. On regarde un petit peu ça. Franchement, ouais, plutôt propre le pantalon. On va soulever un petit peu derrière. Très, très, franchement, très beau pantalon. Hop, au niveau des chaussures, on a les chaussettes. On a les chaussettes qui sont juste en dessous, donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. On va remonter donc vers la ceinture, l'espèce de petit gilet vert. Pareil, il est là, le gilet vert, donc on a le gilet vert. On a la petite chemise, comme vous le voyez, hop, au niveau des boutons, c'est pas ouf, ouf, il y a un petit décalage. Mais au moins, avec bon, après, vous me direz que le nœud papillon par-dessus, on voit rien du tout. Alors, le nœud papillon, enfin, ça, c'est à refaire complètement, parce que pff, ça, c'est ni fait ni à faire. Ils ont fait un nœud, ils se sont pas fait chier. Hein. Ils ont dit, tenez, on vous donne déjà un truc pas mal. On a la petite pochette, au niveau des bras, pareil de la veste, par contre, même comme je vous disais, je la trouve un peu fine, mais par contre les boutons, tout est plutôt bien géré, franchement, c'est on a les plis et tout, les plis de la veste, hein, qui permettent justement de bouger la veste. Au niveau des bras, bah, j'ai de la chance, bon, les mains, pareil, je trouve que c'est un tout petit peu, peut-être un peu lâche, les avant-bras, pareil, un petit peu lâche, mais ça va. Il n'y a pas trop de résistance, mais ça va. L'autre côté, hop, on va voir ça tout de suite. L'autre côté, il est un peu plus dur, par contre, tu vois. Par contre, c'est au niveau de l'épaule que je le trouve un peu lâche. Mais au niveau du coude, ah, il est un peu plus dur. Ah, je vais pas forcer, parce que j'ai envie que celui qui la reçoive entière. Bon, c'est un très beau recast. C'est un très, très beau recast pour le prix. C'est une très belle pièce. Au niveau du Hitskull... Oh, wow. Quel est ce regard de junkie? On va en parler de ce regard de junkie juste après. Franchement, ouais, ouais. Bon, après, c'est la seule chose qui... Ah, ça pique quand même. Après, il vient de prendre une mauvaise... Il a fait un mauvais trip, là, il est en train de redescendre. Ah, mais sinon, en dehors de ça, c'est plutôt propre. Hein. Franchement, c'est plutôt propre. Il n'y a que les yeux. Alors, je suis sûr qu'avec un ripen, ça peut passer crème. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le petit chapeau. Alors ça, par contre... Franchement, excellente surprise. Il est super. Sincèrement, il est super. Il est très, très bien fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, moi, je trouve que c'est un super accessoire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il est super bien fait. Tendance à s'abîmer sur la Hot Toy. Moi, ça me va. Franchement, alors là-dessus, rien à dire. Je me demande... Alors, j'irais même jusqu'à dire... Alors, certains vont me traiter de fou, qu'il est mieux fait que celui de la Hot Toy. Parce que celui de la Hot Toy, je l'ai à côté de moi... bah attendez, bougez pas. Hop. Et ben voilà, Hot Toy, Mars Toy. Franchement, difficile de les partager. Mais au niveau qualité, c'est identique. C'est identique, je vois aucune différence. Si ce n'est que celui-là est plus coloré parce qu'il est plus neuf et que celle-là est un peu plus vieille. Mais franchement, il est ça, c'est impeccable par contre. Hein. Ça, rien à dire. Hop, on range celui-là. Eh ben écoutez, on va passer sur les sculptes. Vous me laissez le temps de l'enlever. Je prends celui de la Hot Toy à côté, puis on regarde ça. Donc, voici le Hit Sculpt de la Mars Toy, donc de Jack Nicholson. Franchement, comme vous pouvez le voir, il est plutôt bien fait, que ce soit au niveau des cheveux. Du sculpte, après, c'est clairement un recast de la Hot Toy. Franchement, le paint est plutôt... pas mal, on voit qu'il est texturé. À l'arrière, on a bien sûr donc la partie qui s'enlève aimantée pour avoir sur le accès au mouvement des yeux. Donc vous voyez là, il y a deux aimants, des aimants qui sont plutôt balèzes. Franchement, ça tient bien, pas de problème. C'est un très beau sculpt. Après, celui de la Hot Toy, donc il n'y a pas non plus beaucoup à déblatérer dessus. Moi, ce qui me dérange vraiment, c'est le regard. D'ailleurs, comme toutes les reviews que vous pouvez voir sur internet, on est tous d'accord là-dessus. Le regard, il y a un problème avec les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris de la drogue avant de... au moment du paint, qu'est-ce qui se passe? Il a les yeux qui sont remplis de sang. Clairement, ils sont blindés de sang. On a un œil ici qui est beaucoup plus ouvert que l'autre.
C'est ouais, le regard, c'est pour moi, c'est le défaut de cette figurine, enfin de ce HS, sachant qu'en plus voilà, là on a la Hot Toy juste à côté et vous pouvez comparer. Franchement voilà, le regard du de la Hot Toy, il est beaucoup plus soutenu, il est beaucoup plus crédible. Au niveau de la taille des Heat Sculpt, non, c'est une proportion, mais ils sont relativement identiques. Après, celui de la Hot Toy, il est quand même supérieur, il n'y a pas... Voilà, on le voit au niveau de tout ce qui est précision, déjà, rien que le regard déjà. Vous voyez, le regard de la Hot Toy, ça n'a rien à voir avec celui-là, avec son regard. Il y en a un qui a l'air sadique et un qui a l'air wow, c'est la fête du shit ici. Donc c'est un petit peu étrange, mais franchement, voilà, c'est une très très belle figurine, il n'y a pas... Vous pouvez chercher les détails, franchement, au niveau du sculpte et tout, c'est quasiment les, bah, c'est les mêmes. Ça, c'est clairement une copie de celle-là. Mais ça reste un super beau travail. Franchement, je trouve que celui de la Marstock. Si je voulais cacher, je voulais mettre comme ça de côté, essayer de trouver le bon, ça va être compliqué. Hein. Franchement, c'est vraiment de face, on voit la différence et c'est pas une différence. Enfin, ça saute aux yeux parce qu'on voit vraiment bien le regard, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas oufissime. Franchement, c'est un très très beau boulot de la part de Marstoy. C'est un très bon recast. On va pas se leurrer, y a pas d'autre mot. C'est un très très bon recast. Mais écoutez, on va les mettre côte à côte les deux figurines. On va voir ce que ça donne. On va voir si le corps de celle-là tient, s'il tient la comparaison surtout avec la Hot Toy. On va leur mettre la même tenue puis on va voir ce que ça donne. Donc on se retrouve avec les deux figurines, donc sur la gauche vous avez la Hot Toy, la DX8, et sur la droite vous avez la Mars Toy. Et franchement, de prime abord, on va pas se mentir, les vêtements Hot Toy sont beaucoup mieux taillés. Le body, il est beaucoup plus sympathique. L'autre, franchement, j'ose pas, je suis honnête avec vous, j'ose pas toucher les jambes. Avec ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, j'ai peur d'avoir une jambe qui pète. Pareil au niveau des bras, on sent que le body, c'est vraiment pas ça quoi. C'est un body premier prix, c'est pas un body qui est top. Je trouve ça dommage parce que la figue on l'a attendu plus d'un an, un an et demi. Mais franchement, sinon quand vous les mettez côte à côte en dehors de ces petits détails là, c'est quasiment les mêmes quoi. Il y a pas de souci là-dessus. Vous voyez peut-être une légère différence de coloration entre le pantalon de la Mars et celui de la Hot Toy. Pareil au niveau de celui de la Mars Toy, au niveau de la ceinture là, vous voyez que ça baille un peu plus que sur la Hot Toy. Ça, c'est franchement, c'est clairement à cause du body. Le body, je trouve qu'il est vraiment pas adapté sur cette figurine là. Après, ça reste une superbe pièce malgré tout, mais voilà, vu de pif, franchement, ça, on voit la différence. Il y a pas à tortiller des fesses, ça se voit immédiatement, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc c'est un peu dommage. Parce qu'ils auraient, après autant de temps d'attente, en plus elle est pas câblée, du coup celle de la Hot Toy est câblée, pas celle de la Mars Toy. Après autant de temps de travail et de retard, surtout ils auraient pu quelque chose, peut-être nous pondre ou utiliser au moins un body de meilleure qualité. On sent que le prix il a été tiré au maximum, le nœud papillon, enfin le nœud, vous voyez comme c'est fait. Bon après ça se refait, c'est pas un problème, mais on la sort de la boîte, on a quand même envie d'avoir un petit kiff. Après ça reste une super figurine au prix où elle est, c'est une super figurine. Je crois qu'elle était à 170 ou 190$, elle était à moins de 200$. Si je dis pas de bêtises, donc c'est vraiment pas cher payé pour ce que c'est quoi. Clairement, ça les vaut. Il y a pas de souci, on se fait pas voler. Il y a quand même quelques petits défauts, mais bon après ça fait partie du game. Bah écoutez, on va faire une petite vue 360 de la figurine du coup de la Mars Toy, et puis après on fera une petite conclusion. On se retrouve donc pour une vue 360 de la Mars Toy. Donc comme vous pouvez le voir, on lui a mis son petit chapeau, une petite pose assez classique. Franchement, c'est une superbe figurine. Elle comblera clairement les gens qui n'ont pas eu la chance ou qui n'ont pas la chance forcément de mettre un petit billet de 400-500€, voire plus, dans la DX08 qui est aujourd'hui devenue intouchable. Maintenant, cette figurine, elle a beaucoup de bons points. Elle en a aussi énormément de mauvais, enfin de points entre guillemets négatifs. Pour les points positifs, clairement, c'est une très belle réalisation. Au niveau du tarif, on va pas se plaindre parce qu'on a un tarif qui est vraiment ultra compétitif. D'ailleurs, c'est pour ça que Mars Toy s'est fait dévaliser sur cette figurine. Il y a eu un second batch, je crois, qui va arriver dans pas longtemps. Au niveau de la coupe des vêtements, franchement, c'est plutôt correct, que ce soit au niveau du pantalon, au niveau des vestes, même si je trouve que les matières sont un peu plus fines et que la coupe n'est pas forcément la même. Après, je pense que le body doit jouer beaucoup. C'est vraiment le Heat Sculpt qui est franchement qui est très très correct. Le paint, les textures, c'est vraiment top, c'est bien fait. Maintenant, les points négatifs, il y en a quelques-uns, on va pas se leurrer. Déjà, le body, c'est une calamité, c'est honteux de proposer ça. Je pense qu'avec le temps d'attente qu'il y a eu là-dessus, ils auraient au moins pu mettre un body d'une meilleure qualité. On ne demande pas forcément le body de l'année, mais un body d'une meilleure qualité, ça aurait pas été du luxe. Ensuite, au niveau, comme je l'ai dit, de toute façon, ça va avec le body, tout ce qui est articulation... Faut pas toucher, hein. Clairement, si vous touchez, c'est à vos risques et périls. La fragilité des accessoires, comme vous l'avez vu au début, on se rappelle, la dent, j'ai la peine tenue, enfin le petit claque-dent là, j'ai la peine tenue, le manche m'est resté dans la main. Je trouve ça un peu dommage que la
faible qualité des accessoires, que ce soit du recast ou pas, on peut quand même au moins proposer quelque chose de qualitatif. Là, c'est pas le cas, c'est extrêmement fragile, alors qu'avec l'Outtoy, on n'a pas ce problème-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre là, au niveau du Hitsculpt? Alors les yeux de drogués, les yeux injectés de sang, là, je trouve ça un petit peu limite aussi, mais bon, voilà, c'est parce qu'on pinaille et que moi j'ai la DX8 juste à côté de moi, donc c'est facile pour moi de faire un comparo et de me dire ah non mais elle est clairement au-dessus. Après, si vous n'avez pas la DX8 et que vous n'avez pas les moyens ou pas l'envie forcément de mettre autant, c'est une excellente figurine, elle fera totalement le boulot, il n'y a pas à tortiller des fesses sur ça, c'est un super produit, clairement, c'est une très belle figurine, voilà. Après, maintenant, vous la comparez à côté de la DX8, eh ben forcément, elle fera pas forcément le poids, elle aura pas la même saveur. Aujourd'hui, les possesseurs de DX8, je pense qu'aucun n'aura clairement la décence de vous dire qu'elle est meilleure, voire équivalente. Elle est en dessous, pas énormément en dessous, mais voilà, je la situerai légèrement en dessous quand même. Je dirais que sur les notes Collector News, on sera à 65-70, qui est une très bonne note, on est au-dessus de la moyenne. Alors, maintenant, cette figurine, comme vous le savez, comme on vous l'a dit en intro et comme on vous a aussi parlé sur nos réseaux sociaux, elle va être à gagner. Voilà, il y a quelqu'un d'entre vous, quelqu'un qui peut-être l'a déjà eu et qui en veut une deuxième parce que la sienne a eu un problème, ou quelqu'un qui a pas eu la chance de mettre le bâche dessus, la main sur un des bâches, et ben elle va être gratuite, elle va être pour vous. Il y a rien de compliqué. Par contre, on va vous demander de travailler un peu plus que d'habitude. En même temps, on vous offre pas un petit cadeau. Donc, c'est quand même un joli cadeau, je pense, qu'on vous offre. Donc, le concours, il va être ouvert jusque, si je dis pas de bêtises, ça doit être le 5 juin. Va falloir vous inscrire donc sur la page Facebook. Likez notre page Facebook, likez celle de notre partenaire, donc KG Hobby, qui nous a offert gracieusement cette figurine pour la faire gagner à quelqu'un. Donc, franchement, on les remercie encore. Malgré ce que j'ai pu entendre récemment au niveau de l'émission One Six Scale, justement, des amis à moi que je salue au passage. Franchement, les gars, vous êtes top. Et sur le sujet qu'ils avaient abordé justement par rapport à KG Hobby, où je les rejoins totalement, même si c'est un de nos partenaires, bah, je trouve que ça n'a pas été bien géré, malheureusement. Après, ça fait partie des aléas des envois internationaux et c'est triste, mais bon, malheureusement, je donne raison à mes collègues là-dessus, parce que c'est vrai que c'était pas forcément top. Et là, on voit, franchement, ils essayent vraiment de faire des gestes pour notre communauté, pour vous, en nous offrant différentes figurines. Il y en aura une régulièrement, quasiment tous les mois on vous offrira une figurine grâce à eux. Donc franchement, voilà, nous on tenait à les remercier parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. On n'a pas de lien d'affiliation, on n'a rien. Si vous allez acheter chez eux, vous avez un code de réduction qu'on a réussi à gratter. Nous, on ne gagne absolument rien. Réellement, notre seul but, c'est de vous faire profiter au maximum. Et voilà, je trouve que c'est un super cadeau. Donc comme je vous disais, likez notre page Facebook, likez leur page Facebook, likez la page Instagram aussi de KG Hobby. Il faudra vous abonner à notre chaîne YouTube, forcément, parce que sinon vous n'aurez pas vu la review. Et dans les commentaires, vous écrivez simplement « Je participe », comme on l'avait fait pour la Homelander, la homicidiale de chez, je dis pas de bêtises, Nocturne. Et dans 15 jours, à peu près 15 jours, 3 semaines, il y a un tirage au sort comme d'habitude et il y en a un de vous qui va gagner la figurine. Voilà, il n'y a rien de compliqué, on vous demande pas de nous envoyer une fusée sur Mars, mais voilà, un petit peu de soutien, surtout pour la chaîne, parce qu'on en a besoin. Vous voyez, on essaye vraiment de vous proposer des contenus qui diffèrent et voilà, on se bat vraiment pour vous obtenir le meilleur produit, le meilleur contenu possible. Donc aidez-nous encore un petit peu. Comme d'habitude, ici, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et on espère qu'on va se revoir bientôt. De toute façon, comme on dit à chaque fois, suivez-nous sur Collector News. J'ai un petit peu bugué cette fois. Ça arrive de temps en temps. Hein, c'est ça qui fait le charme. Allez, à bientôt les potos. Ciao.